Alors, les calculatrices, alors les modèles, ça c'est une HP 28S qui a le bon goût d'avoir le force comme langage. Donc on a tous les raccourcis là sur les touches, hein, évidemment, pour gérer la stack. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, celle-ci elle est beaucoup plus moderne là, c'est une HP combien ça? HP 50G. Pas gros intérêt, puisque bon, à part que c'est une scientifique RPN classique. Voilà, ça c'est un petit peu trop moderne, même limite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le petit Sharpie. Ça j'aime bien, ça c'est limite un ordi quoi. Alors l'imprimante fonctionne, le petit lecteur cassette fonctionne bien sûr. J'ai la. Dans la trappe ici, hop. La petite alimentation qui va bien. Une cassette d'avance évidemment. Je dois avoir assez de piles. Non, j'ai plus de piles dedans, merde. Dommage. Hop, on va fermer tout ça. Hop. Dans son petit caisson en simili-cuir là d'origine. Bon, les calculs mé mécaniques, les adiators, tout ça, je les montre pas spécialement. Je les avais déjà montrés en plus. Ça, c'est aussi un petit Sharp ou un Texas, je sais plus. Non, celui-là, c'est le Sharp. Donc, sur le même principe, avec Basic comme langage de programmation. Et c'est celui-là, le Sharp, du coup. Enfin, c'est obligé, même, puisque de toute façon, il y en a pas d'autres. Hop, s'il veut bien sortir de son sac. Voilà. Lui aussi avec le basique en ROM. Machine très classique. Je crois que sur celle-ci j'ai laissé la pile. Non, j'ai pas laissé la pile. Oui, elle est légère, il n'y a pas la pile. Donc c'est même pas que la pile est foutue, c'est qu'il n'y est pas. Le dernier radiateur que j'ai récupéré, c'est celui-là, mais il n'est pas terrible, celui-là, j'aime mieux l'autre, qui est un petit peu mieux fichu. Et c'est à peu près tout pour ma collection de calculatrices, en fait, puisqu'après j'ai la grosse calculatrice mécanique, l'autre radiateur, et c'est à peu près tout. Et je pense que je n'en aurai pas d'autres, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres modèles qui m'intéressent.